Le commerce équitable apparaît comme un moyen de valoriser le travail des agriculteurs des pays en voie de développement, afin qu'ils puissent accéder au bien-être minimum, accès à la santé, l'éducation, à l'eau courante et à un logement digne. La rémunération de leur production est de 2 à 4 fois supérieure aux tarifs internationaux. Cependant, le prix final n'est pas multiplié par 2 ou par 4. Effectivement, en réduisant les intermédiaires, on évite les prises de bénéfices de gens qui, tout compte fait, n'ont qu'un travail marginal sur le produit. Le prix de vente des produits équitables n'est que légèrement supérieur au prix des produits traditionnels. Ils sont de bien meilleure qualité, donc manger moins, mais manger mieux, avec plus de justice. C'est le principe du développement durable. Le tout n'est pas de produire plus, mais de produire mieux et de répartir de façon équitable la nourriture. Il est clair qu'aujourd'hui, nous avons la capacité de nourrir l'ensemble de la population terrestre de façon satisfaisante. La question n'est donc pas productive, elle est économique, elle est sociale et politique.